c'est le spot de ce matin. Nous sommes samedi, donc le week-end de Pâques. Donc week-end de 3 jours, nous en avons profité pour prendre le fourgon et aller rendre visite à nos amis Angélique et Eric sur les Pyrénées-Orientales. Alors c'est une aire de camping-car. Hein. Donc nous sommes arrivés hier soir, donc nous avons pris la route après le travail, donc aux alentours de 20h, 20h30. Et là nous sommes dans l'Aude. Alors cette nuit? Nickel. On n'a pas eu froid? Non, pas du tout. Non, non. En fait, sous la couette, il faisait bon. Après, c'est vrai que quand on est sorti, bon, tu sors un bras de sous la couette, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, comme à la maison. Mais sinon, c'était impeccable. Samedi du week-end de Pâques, nous allons partir donc aux alentours du lac de Darnéus avec donc Angélique et Eric qui vont traîner leur Jeep avec leur tente de toit, véhicule super de 83, donc qui est juste derrière moi. Je vous montre. Elle est superbe. Jeep CJ7 avec un moteur diesel, turbo diesel, modèle 83. Donc elle a 40 ans. Là, j'ai le couchage, j'ai la douche, les affaires là au-dessus, c'était les affaires, ok, les affaires de toilette, serviette, avec, le gel douche, avec. Check. T'as la place dans la remorque? Mais ouais, sur le côté, ouais. Là où il y a les chaises, là, on va mettre ça là où il y a les chaises. La région est belle en fait. Hein. Oui. Ça, dans les Pyrénées-Atlantiques, ça manquerait quand même. Y a pas ça hein, chez toi. Des trucs comme ça. Moi aussi, hein. Là. la petite route de montagne au Pays Basque, fort d'Europe. Non, mais c'est aussi joli avec le beau temps et que tout se. Oui, le beau temps, à la rigueur, je veux bien concéder le beau temps, mais sinon c'est au moins si joli. Bon, c'est vrai qu'il y a l'océan, ça c'est beau. Ouais. Je me suis lancé sur un terrain glissant.
Toi, tu avais vivre dangereusement quand même. Hein. J'aurais pas dû. Alors, l'opération des gonflages, messieurs, à combien vous réglez ça? Là, il y a le technicien qui est en train de faire la pointe. D'accord. Ok. Moi, je rebouche les trous. D'accord. Ah, mal. Donc, il y a l'ingénieur et l'arpète, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Ça marche. Ça va toujours par paire. Ouais, comme les motards de la police. Les motards, c'est par trois maintenant. Ah bon? Ouais. Tu mets ça là, ici, là. Et là, ça fait comme un grillage. Et après, ça se... Ah oui. Ça fait un... Ouais, il y en a plein qui font ça, ouais. 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 Bon, là, ça fait plus un bar qu'autre chose, ouais. C'est la hauteur. Ouais. Non, mais ils font énormément d'accessoires maintenant pour le... Pour les gens qui partent en baroude comme ça, en road trip, là, c'est... Parce que là, c'est vrai que l'espace, c'est réduit, là. Après, je peux mettre le filet là pour mettre des trucs légers, toi, en haut et tout. Puis après, le hardtop, l'été, on va l'enlever. Hein. Ah, c'est la télé, là. Je sais. On va percer l'audimat. Et puis, il y en a une qui se barre. Oui, moi, je m'en vais. Elle fait si le pop. Bon, puis je vous laisse entre mecs. T'as besoin d'aide, Nat? C'est quoi comme tente, ça? C'est la marque, c'est quoi? ARB. ARB, c'est pas mal, hein? Ouais. Il y a de la place et tout. C'est une marque australienne fabriquée en Chine, sûrement. Ouais. Quoi. Tiens, regarde. Oui, il y a d'autres campeurs. C'est génial, franchement, un bivouac
en Espagne. Loin de tout, loin des tracas de la vie. Les choses simples, ce sont les meilleures. Eric nous a préparé le bûcher pour le repas de ce soir. Le repas de ce soir. C'est bon. Ah non. Avec pompe immergée. Ouais, la pression. Hein. La pression. Et tu as trouvé où cette pompe là? Sur internet. Après de nombreuses visions de tutos et tout là, de... Ouais. Sur YouTube. Pour voir la fiabilité de comparatif ici et là. Alors ça te donne quoi cette douche Ça va. C'est pas la douche comme à la maison. Mais après si t'as une tignasse là c'est pas pareil. Comment? Mais bon, moi ça va. Bon ça va, c'est bien. Avec la graisse, ça ravive le feu. Hein. Nickel. Comme dans Koh-Lanta, en fait. Pareil. Ouais. Et après, on rebouche et on n'est jamais venu. C'est ça. Avec les saucisses et le plateau, ça va. Eh, ça fait un super bras zéro quand même. Ça va bien. Ah oui. Hein. De quoi? Alors quelles sont vos impressions sur ce bivouac Bah c'est le premier et ça a l'air de bien. Eh bien ça fonctionne bien. C'est pas mal hein? Ouais. C'est parfait quoi. On voit les petits défauts qui nous manquent. Bah pour l'instant il n'y en a pas de défauts. Si, des choses à améliorer. Après c'est des petits couverts. Détails. T'as un ouvre bouteille ou oui. Je vais le chercher? Allez, on va vous faire le petit tour du propriétaire du bivouac qu'on s'était trouvé pour cette nuit. Alors, hop, on va tourner doucement la caméra. Voilà, déjà, la vue d'ensemble. Vous voyez qu'on avait une belle clairière pour nous tout seuls, avec une très belle vue sur la vallée. Là-bas au bout, je ne sais pas si on le verra, on voit un petit morceau du sommet du Canigou avec la neige. Voilà. Donc ici, notre espace salon apéritif qui a été utilisé déjà. Là ici, nous avons donc les appartements d'Éric et d'Angélique. Donc avec une chambre, avec vue. Voilà, leur petit coin salle de bain. Hop. Leur petite Jeep qui sont en train d'aménager. Voilà. Et voici nos quartiers avec Doudou. Elmout s'est installé ici. Ici, on avait installé notre salle de bain. Hop, voilà. Là, le linge est en train de sécher. Ici, vous voyez le petit coin vaisselle. Bon, la table, après, hein, c'est la même. Elle va servir aussi pour préparer le repas. Ici, un petit espace cuisine avec le Coleman.
Et là, nous avons Doudou qui est en train de se battre. Elle commence à me casser les couilles. Ça, avec la chaise. Bon, sur ces bonnes paroles qui feront que nous sommes censurés sur YouTube, hein, je vous laisse. Ah, voilà, regarde. Ah, voilà. Victoire. Après que je regarde. Parce que c'est vrai que c'est, en plus, c'est pratique. Il y a une brosse aussi. Ouais, mais ça fait brosse et ça coupe les nœuds. C'est pas ça la vie quand même. Comment? C'est pas ça la vie. Si, c'est exactement ça. Pour 4 jours, 5 virgules, c'est-à-dire 100 litres. Chut, pousse-toi. Tabler là-dessus. Et là, vous avez quand même deux douches aussi. Ouais. Ça fait 4 douches avec un virgule, ouais. Plus les mains. Mais bon, j'ai réussi, mais c'était ric-rac à la fin. Mais donc, avec 20 litres en plus sur 4 jours, ça vrai 100 litres pour 4 jours. Alors, quand tu vois qu'à la maison, une douche, c'est. Ah, c'est 100 litres une douche. Ah, c'est chaud, hein. Et 1 mètre cube, 3 euros. Donc, c'est là que tu vois le gaspille quand même. Ouais. Bah là, on gaspille pas parce que là, l'eau froide. Bah là, on fait attention. Hein. Nous, on n'a pas l'eau chaude. Hein. On roule pas en Mercedes. C'est filmé, ça aussi, non quoi. Mais il y a des choses qu'on va couper en fait. Parce que monsieur prend sa douche chaude en. Comment je pourrais dire, bah, ça correspond au véhicule que tu as, hein, de toute façon. En loose D, quoi. Non, non, on l'a proposé hier. Hier, on l'a proposé. Ouais, hein. Mais vraiment sur le bout des lèvres. Hein. Tu sais, si tu veux, tu peux prendre la douche et la tente avec l'eau chaude. T'es de mauvaise foi, quoi. En train de commencer à plier pour le départ. Okay. Et là, le matelas, il faut le ramener dans le corps.